Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad. Alors on va revenir un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément Kel'Thuzad. Bon, évidemment, il y a la vidéo de sur la guerre de l'araignée. Sur la guerre de l'araignée, une vidéo qui est importante pour Kel'Thuzad, la création du roi Lich, tout ça, hein, c'est plutôt d'actualité. Mais également aussi sur la vidéo sur Warcraft 3 pour bien comprendre qui et quelles sont les motivations de Kel'Thuzad. Mais je vais y revenir un petit peu pour le contexte, mais on va surtout parler bien sûr de l'actualité autour de Shadowlands. Mais pour commencer, donc Kel'Thuzad en contexte, eh bien Kel'Thuzad est tout simplement, alors je vais pas revenir sur son côté vivant, mais Kel'Thuzad c'est tout simplement un des grands généraux mort-vivant du fléau. C'est tout simplement l'un des fidèles lieutenants du roi Lich, du premier roi Lich, donc Ner'zhul. Et il deviendra le bras droit d'Arthas lorsqu'il devient chevalier de la mort. Et avec la fusion de fin Frozen Throne, Ner'zhul Arthas, eh bien, ça a arrangé un petit peu Kel'Thuzad parce qu'il servait les deux. Il y avait son roi et son roi Lich. Eh bien, les deux fusionnent. Du coup, eh ben, pour lui, ça l'arrange parce qu'il servait ces deux personnes-là très fidèlement. Et il devient tout simplement j'ai même envie de dire le principal lieutenant du roi Lich. À Wotelka, comme Ner'zhul s'évapore et qu'il ne reste qu'Arthas, bah, ça change pas grand chose. Kel'Thuzad reste toujours fidèle au roi Lich, hein, du coup Arthas, et il va rester fidèle hein, pendant jusqu'à Wrath of the Lich King, hein, il n'y aura pas de problème. Ce qui est intéressant et ce qui me fait aimer Kel'Thuzad, c'est aussi le fait que ce soit un personnage extrêmement complexe. On y reviendra après dans la vidéo, mais c'est un personnage qui est globalement plutôt un méchant, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt un méchant comme la plupart des membres du fléau d'ailleurs. Mais l'intérêt c'est que c'est pas juste un méchant lambda qui veut tout détruire, tout ça. C'est quelqu'un qui recherche le pouvoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est passé du côté obscur, c'est qu'il voulait plus de pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir et de connaissances, mais malgré ça, eh bien, j'allais dire il a des principes. Non, peut-être pas, mais il a, enfin si quand même un peu, mais en gros, il reste fidèle et loyal à ses maîtres, à son maître à la base, à ses maîtres par la suite. Donc c'est un personnage qui notamment va cacher souvent ses motivations et qui va finalement eh bien, bien réussir à jouer un double jeu, par exemple avec la Légion Ardente, où il se fait passer pour l'invocateur, le warlock, le démoniste, etc., qui va invoquer Archimonde, qui devant la Légion Ardente reste très poli, fait de jolies phrases, etc. Mais en fait c'est pour mieux les endoffer, parce que bah, il bosse pour Ner'zhul, il bosse pour le roi Lich à ce moment là. Donc c'est quelque chose, c'est un personnage qui est vraiment intéressant, assez complexe, à l'origine de stratégies mûrement réfléchies, même si bien sûr il applique aussi une partie de la vision du roi Lich lui-même à quand même une certaine réflexion, et on sent que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une fascination autour de Kel'Thuzad, et en plus de son physique qui est quand même assez atypique. Bon, maintenant toutes les liches lui ressemblent, mais c'est quand même voilà, très particulier. La première fois qu'on voit Kel'Thuzad, souvent on est impressionné. Donc c'est vrai que c'est un personnage très intéressant. Le truc, c'est que du coup, eh bien, ce personnage-là a fait ses premières apparitions dans Warcraft 3, et le problème c'est que Kel'Thuzad, donc dans World of Warcraft, est apparu deux fois, à Vanilla, à la fin de World of Warcraft Vanilla, donc ce qu'on appelle WoW Classic maintenant, qui est arrivé à Naxxramas, donc assez tardivement, c'était tout simplement la dernière extension, enfin le dernier patch pardon, de Vanilla, et il est revenu à Wrath of the Lich King avec le Naxxramas, ce que j'appelle le Naxxramas 2.0, c'est-à-dire qu'on reprend le patch de Naxxramas, on le refout en fait hein, à Wrath of the Lich King tel qu'il est, on change juste un boss, on remplace Alexandros Mogren par le Baron Rivendare, et voilà, c'est bon, tu as le même patch, pas de problème, hein, meilleur patch, tout ça, meilleure extension, donc il y avait du vrai travail, donc on remet la même exactement comme elle était. Et du coup, bah, Kel'Thuzad, il est mort deux fois au cours de World of Warcraft, parce que sinon ça fait 3 avec War 3, mais il est mort deux fois en tant qu'antagoniste principal, mais on y reviendra après. Le truc c'est que du coup à Wrath of the Lich King, Kel'Thuzad est tué comme je viens de l'évoquer. Cependant il faut qu'on fasse un topo, qu'on rappelle la nature de ce qu'est une Lich. Une Lich est un être immensément puissant, et Kel'Thuzad est ce qu'on appelle l'archi-Lich, hein, c'est vraiment le top du top du top du top. C'est un être immensément puissant, mais ça j'y reviendrai après. Mais le truc c'est qu'en fait une Lich ne peut pas être détruite définitivement tant qu'on n'a pas détruit une petite urne qu'on appelle le phylactère. Le phylactère, comme vous le voyez, il est juste là.
En gros, quand une liche est tuée, elle va se reconstituer dans son phylactère. Si jamais c'est un concept qui vous parle pas trop, imaginez, vous savez, un génie avec sa lampe en fait. C'est un peu le même délire, sauf que là c'est un génie du mal, une sorte d'effrite quoi. Mais le principe, c'est que du coup, tant que le phylactère n'est pas détruit, la liche pourra se reconstituer. Et à Wrath of the Lich King, eh bien, donc à Vanilla, on n'avait pas détruit le phylactère, ce qui permet aussi à Kel'Thuzad de revenir à Wrath of the Lich King. Mais à Wrath of the Lich King, eh bien, en fait, le statut du phylactère est incertain. On ne sait pas si le phylactère a été détruit. Donc, comme faut détruire le phylactère pour vaincre définitivement la liche, qu'en est-il à Wrath of the Lich King? Les détails, ce qu'on sait, nous donnent plutôt l'impression que le phylactère est toujours dispo. Après, c'est pas un problème, hein, il pourrait nous dire que le phylactère a été détruit, mais de ce que l'on sait, le phylactère n'est pas détruit. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, si le phylactère n'est pas détruit? Comme on l'a dit, eh bien, la liche peut se reconstituer. Mais il y a un truc qui est très très important. Parce qu'une liche, quand elle est tuée, elle va où? Globalement, on sait où est-ce qu'elle va. Et là-dessus, à Shadowlands, on a un début de piste avec notamment une de quêtes de congrégation de Bastion, congrégation Kyrian, où on a tout simplement une quête qui s'appelle les Limbes. C'est une quête d'expédition que je vous invite à faire. Alors, le problème, c'est que le résultat est aléatoire, mais en gros, quand vous faites cette quête, vous avez justement en fait les Kyrian, donc hein, les espèces d'anges, hein, les espèces de Valkyries. Là, les ancêtres des Valkyries, enfin les primogénitors, on va dire, eh bien, vont tout simplement, ils peuvent pas juger une âme, hein, ça c'est l'arbitre. Mais les Kyrian doivent amener les âmes devant l'arbitre. Sauf qu'il y a une formation chez les Kyrian, et cette expédition vous montre justement cette formation, vous montre en fait qu'ils doivent sélectionner les âmes, ils peuvent pas prendre toutes les âmes et les balancer devant l'arbitre. Par exemple, des âmes de démons n'ont rien à foutre devant l'arbitre, ça n'a rien à foutre dans les terres d'ombre. Des âmes de Naru n'ont rien à foutre devant l'arbitre, dans les terres d'ombre. Donc ils ne vont jamais aller chercher les âmes de ces figures là. Si vous voyez des démons et des Naru en nombre terre, ce qui est possible et ce qui est le cas, ça n'a pas été ramené par des Kyrian et ils ne sont pas passés devant l'arbitre. Donc c'est, j'ai envie de dire, il y a eu Trafalgar, il y a eu des coups de Trafalgar pour ramener ces personnages là. Mais en l'occurrence, les Kyrian, donc ce n'est pas dans leur formation, ils ne doivent pas toucher à ces âmes là. Et il y a un même exemple avec une liche. Et là, justement, le cas qui est évoqué, c'est que tant que la liche a son phylactère, les âmes des liches ne doivent pas passer devant l'arbitre, ils doivent être ramenés sur le plan mortel. Par contre, si le phylactère est détruit, là, la liche doit être ramenée devant l'arbitre pour qu'elle soit jugée afin eh bien, d'aller là où elle doit aller. Alors, ce que j'aime bien avec cette quête, c'est que justement, elle nous rappelle le principe que tant qu'une liche à son phylactère, elle a rien à foutre dans les terres d'ombre et elle est, on va dire, bloquée dans le plan mortel. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, en dehors de quelques liches, la plupart sont liées au fléau, donc marque de l'antre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais globalement, ça va, ça reste tout à fait ok. Ça rappelle, c'est une petite quête d'expédition qui est là pour rappeler un peu le principe, c'est que les Kyrian, ils doivent jauger les âmes pour savoir qui va devant l'arbitre, mais c'est l'arbitre qui juge les âmes. La petite différence, la nuance est importante. Donc au final, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que pour la situation pour Kel'Thuzad, eh bien, il y a deux possibilités. Puisque Kel'Thuzad, on le retrouve à Shadowlands, à Maldraxxus. Et d'ailleurs, alors, petit spoil, mais bon, maintenant c'est plus du spoil parce qu'on a, on a déjà les infos, hein, c'est jouable, c'est trouvable in-game, etc. En fait, on apprend que Kel'Thuzad est devenu un baron à Maldraxxus. Il est devenu un des barons de la maison des rituels. On y reviendra avec la cinématique de fin, donc c'est vrai que, bon, spoil. Mais deux possibilités, du coup, comme je le disais, soit son phylactère a été détruit, c'est un peu étrange parce que de ce qu'on sait de Wrath of the Lich King, bah, rien n'indique que vraiment le phylactère a été détruit, mais il est possible que ça ait été passé sous silence et qu'en fait, bah, le phylactère a bien été détruit à Wrath of the Lich King. Ça, c'est, je pense, la raison qui serait la moins compliquée à faire pour Blizzard. Ils peuvent dire, bon, bah, voilà, le phylactère a été détruit. C'est juste dommage de ne pas l'avoir précisé bien avant. Je rappelle d'ailleurs que Kel'Thuzad était déjà tease au début de Shadowlands, avant même qu'on le voit. Pourquoi? Alors, il y avait du data mining, mais en dehors du data mining, n'oubliez pas le pré-patch de Shadowlands, vous savez, le petit truc pas terrible là. Bah, le. Non, je rigole. Le pré-patch de Shadowlands, eh bien, tout simplement, on affrontait le culte des damnés. Et qui a fondé le culte des damnés? C'est Kel'Thuzad. Donc, au final, Kel'Thuzad, ça fait déjà un moment qu'on sait qu'il va revenir. Et à Shadowlands, eh bien, du coup, comme je l'ai dit, c'est un baron de la maison. Hein, donc, allez voir les vidéos sur Maldraxxus si vous êtes perdu aux côtés du baron, etc. Mais c'est l'un des barons de la maison des rituels. Donc je rappelle que le patron de la maison des rituels, c'est le margrave Sindarin, et enfin c'est une margrave d'ailleurs, mais une margrave Sindarin.
Et au final, nous allons donc Kel'Thuzad qui est un de ses bras droits, un de ses barons. Le principe, donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, soit il est mort, le phylactère a été détruit par Savage King, donc il est passé devant l'arbitre qui l'a envoyé en Malraxus. Certains seraient choqués en mode bah, Ravendress ou Antre. Malraxus, ça correspond pas mal à Kel'Thuzad. Hein. Et je rappelle que Malraxus, il y a deux X, c'est pas pour rien. C'est pour faire écho à Naxxramas. Hein. Donc, bon, il y a plein de liches, tout ça, donc... En soi, que Kel'Thuzad se retrouve là-bas, il a toujours voulu le pouvoir, il a toujours voulu la conservation personnelle, l'ambition, il s'est battu toute sa vie. Genre, c'est pas si choquant de le voir ici. Soit, il est arrivé en Malraxus par un autre moyen. On sait que certains nécromanciens ont pu par eux-mêmes se balader dans les terres d'ombre. Donc soit, en fait, il est arrivé parce qu'il a été tué, donc il est passé devant l'arbitre. Soit il est arrivé par... Soit il y a eu un forcing, soit on a forcé sa place... en terre d'ombre. Donc ça, ça peut être par contre par plusieurs biais, ça peut être via plusieurs personnes, soit par lui-même, il a un pouvoir incroyable, hein, Kel'Thuzad, donc peut-être que c'est lui qui a forcé le passage vers les terres d'ombre et qui s'est fait sa place pour pouvoir conspirer un petit peu, soit, eh bien, il a été ramené, enfin il a été forcé, sa place a été forcée par une intervention extérieure. Elia, le geôlier, on sait pas trop. Pour le moment, c'est encore mystérieux, je dirais. Donc, je vais revenir aussi un petit peu sur Kel'Thuzad qui, dans WoW, a toujours été un personnage caricatural et très sous-estimé. Puisque, eh bien, il a fait son apparition pour World of Warcraft dans la pire période de World of Warcraft, donc la période que j'appelle le Safari, l'endroit où on va chasser toutes les personnes importantes de la licence Warcraft, donc généralement Warcraft 3. Et quand on a épuisé Warcraft 3, c'est du War 2, du War 1 ou de l'univers étendu. Mais du coup, eh bien, Kel'Thuzad en a fait les frais, c'est lui, généralement, c'est ce que j'appelle le Safari, a commencé avec Naxxramas, donc c'est lui qui a à limite été la première victime du Safari. Et il n'a pas été victime une fois, mais deux fois, puisqu'à Savage King, on le ramène pour mieux lui poutrer la gueule une nouvelle fois, sans aucune forme de respect. Kel'Thuzad, faut vraiment qu'on le rappelle, et d'ailleurs cette image c'est un fan art, hein, vous avez le nom de l'artiste ici, mais c'est pas pour rien qu'on le voit avec son petit chat et qu'il fait ça là comme ça justement, parce que à Vanilla c'est une caricature Kel'Thuzad, c'est le docteur d'enfer d'Austin Powers, avec son Mr. Bigglesworth, ils sont même pas cachés pour le nom du chat, hein, c'est le même. Donc Kel'Thuzad, on passe d'un personnage extrêmement ambigu qui sert une puissance sombre mais contre d'autres puissances, qui veut se libérer d'autres puissances sombres, le fléau avec le roi Lich qui veut se libérer de la Légion Ardente, etc. à un personnage qui, en plus, qui réfléchit énormément. Le fléau de Lordaeron, c'est lui aussi. Hein. La peste, le fléau mort-vivant, c'est lui à la base, hein, qui va réfléchir à toutes les stratégies, etc. Qui va se servir du grain contaminé, qui va s'occuper de la ligne de ravitaillement justement d'Andoral pour corrompre tout ça. C'est lui derrière. Et on va récupérer cette essence pour en faire n'importe quoi avec Avania, une Naxxramas. Au lieu d'attaquer des endroits névralgiques, je veux dire, le mec, ça a toujours été un mastermind, un mec extrêmement intelligent. Eh bien, on le voit attaquer Naxxramas, on voit sa nécropole partout. On le voit à Mul'Gor, d'où il va à Mul'Gor attaquer des taurennes. Et il attaque tout le monde, histoire que tout le monde se retourne contre lui. Ça aurait jamais été comme ça que Kel'Thuzad se serait battu Naxxramas. S'ils avaient dû le refaire, je pense qu'aujourd'hui ce serait au niveau de Thunder City. Bon, le gameplay ferait que bah, même les mecs de l'Alliance et des mecs de l'autre bout du monde iraient quand même lui taper sur la gueule. Mais qu'il aille en Mul'Gor, sérieusement. Qu'il aille en Mul'Gor, aller taper du Tauren, genre, bah non. Parce que sa mission, en plus, on le rappelle, à Warcraft 3, c'était pas pour rien. À Frozen Throne, sa mission, à la fin, quand Arthas retourne en Northrend pour libérer Ner'zhul, qu'est-ce qu'il confie? Il confie la tâche à Kel'Thuzad, c'est quoi? C'est de prendre soin de ses terres, donc Lordaeron. Donc, c'est complètement débile. Et en plus, ce qui était pas mal, c'est qu'il faisait rien dans la lutte de pouvoir entre les Seigneurs de l'Épouvante et Sylvanas, et les résistants humains, mais justement parce qu'il laisse s'entre-déchirer. Donc c'est un mec qui est plutôt réfléchi, pas un idiot qui va attaquer tout le monde et du coup se faire détruire. C'est complètement con. Enfin bon, voilà, donc il a été... La subtilité, c'était un perso extrêmement subtil, extrêmement fin à Warcraft 3. Fini la subtilité avec le début de World of Warcraft. Il a vraiment été traité comme un malpropre à Vanilla. À War of the Lich King, c'est encore pire parce qu'on le ramène pour le défoncer. Et à la fin, on t'apprend que le plan, la stratégie ultime d'Arthas, c'était quoi? C'était « Oh bah en fait, je vais vous faire buter tout le monde. » Mais parce qu'en fait, bah, mes serviteurs, ils sont pas terribles. Et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les héros. Parce que si je les tue et que je les ramène, j'aurai 20 mecs extrêmement puissants en vidéo sur War of the Lich King. Et du coup, bah là, j'aurai des lieutenants incroyables qui me permettront de détruire le monde. Quoi?
T'es en train de dire qu'Anubanak et Anubarak et Kel'Thuzad c'est de la merde? Il est fou lui. Parce que il est fou, c'est quoi cette stratégie de merde en plus? Mais faut pas oublier que Kel'Thuzad, j'entends souvent les questions un peu qui est le plus fort entre l'hippopotame et le crocodile, généralement quel est le mage le plus puissant d'Azeroth? On voit toujours les mêmes noms qui reviennent, Jaina, Khadgar, Ashara, tout ça, Medivh, tout ça. Et tout le monde oublie Kel'Thuzad. Et c'est pas parce que j'aime Kel'Thuzad et le fléau. Kel'Thuzad, c'est un être immensément puissant. Déjà, il faisait partie du Kirin Tor dans le membre des 6, alors c'est pas dire qu'ils sont tous extrêmement puissants, mais Kel'Thuzad, lui, clairement, on sait qu'il en faisait partie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été aussi choisi par Ner'zhul, le roi Lich. Et en devenant une Lich, il est devenu un être immensément puissant. Et pas moi qui le dis, c'est War 3. Et on le voit d'ailleurs hein, qu'il est plutôt puissant. Et par exemple, un truc con, qu'est-ce qu'il a fallu pour ramener Kel'Thuzad? C'est pas juste un petit truc, une petite nécromancie comme pour tout le monde. Ça suffisait pas pour Kel'Thuzad. Le mec est tellement puissant qu'il faut quasiment un mini puits d'éternité pour le ramener. Le puits de soleil. Si vous avez joué à Burning Crusade, le puits de soleil, c'est le truc qui permet à Kil'Jaeden d'arriver. Je pense que Kil'Jaeden, tout le monde est en mode, bon, on sait ce que c'est. Hein. Il n'y a que le puits de soleil qui peut permettre à Kil'Jaeden de revenir sur le monde. C'est quand même pas rien. Donc Kel'Thuzad, il a damné la civilisation aux elfes. Enfin, c'est Arthas qui l'a damné, mais pour ramener Kel'Thuzad, il a damné toute une civilisation. Parce que c'était cet instrument-là, cette relique-là qui pouvait permettre de ramener Kel'Thuzad. Donc c'est pas n'importe qui. Et en termes de puissance, Kel'Thuzad, alors bien sûr, un combat Kel'Thuzad-Jaina, les deux peuvent gagner, ça dépend du scénariste. Mais sur le papier, ce mec-là, il est plutôt au niveau d'Ashara en fait. Hein. Peut-être un peu en dessous, mais il est vraiment très 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 haut, Kel'Thuzad. Or, WoW ne le rend pas du tout hommage à ce personnage. Et du coup, eh bien, il revient à Shadowlands, il est de retour avec Shadowlands, en tant que lieutenant du geôlier. Ça, c'est acté, on sait que c'est un lieutenant du geôlier. Mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas encore ses motivations. C'est pas pourquoi il travaille avec le geôlier. Est-ce qu'il a été forcé? Est-ce qu'il a fait un pacte avec le geôlier? On sait que Kel'Thuzad, les pactes, ça parle pas mal. Le geôlier, on sait qu'il a fait pas mal de pactes aussi. Donc, est-ce qu'il y a un pacte entre ces deux personnes? Et de là aussi, c'est peut-être justement, dans ma théorie, c'est que peut-être que justement son pacte fait qu'il serait là pour... Il aurait pactisé avec le geôlier pour peut-être libérer un de ses maîtres. Quelque chose qui caractérise Kel'Thuzad, ça a toujours été son immense loyauté envers le roi Lich, notamment donc Ner'zhul pour commencer, qui est une espèce de... qui est son dieu quasiment, hein, et Arthas, en qui il voit son roi. Donc, mais roi en tant que lord erroné, on va dire. Donc, comme à War of the King, Arthas et Ner'zhul ne font plus qu'un, avec l'évaporation aussi de Ner'zhul, mais bon, ça c'est déjà Frozen Throne. Hein. Bon, je vous laisse voir la vidéo de Wotelka. Du coup, est-ce qu'il serait pas là pour essayer de libérer Arthas par exemple, et peut-être même Ner'zhul, mais bon, Ner'zhul ça c'est optionnel. Est-ce qu'il serait pas là pour libérer Arthas par hasard? Moi je pense que oui. Sachant que, qu'est-ce qui me fait dire ça? Bah, l'écriture de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad est un personnage qui revient à Shadowlands et on sent que les scénaristes ont vraiment bien bossé, ils ont bien révisé Warcraft 3 parce que c'est pas le Kel'Thuzad de Vanilla ou Wotelka, ça aurait été très facile de mettre ce perso là. Et c'était l'une de mes grandes appréhensions avec ce début de Shadowlands, j'avais très 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 peur que Kel'Thuzad soit traité comme à Vanilla et qu'on ait juste une Naxxramas 3.0, surtout qu'avait été dataminé un succès, un haut fait. Comme quoi c'était la troisième chute de Kel'Thuzad, moi j'étais là, oh putain, on va avoir une Naxxramas 3.0, ça va être une catastrophe pour le fanservice de merde. Et bien pas du tout, Kel'Thuzad revient. Il y a ce haut fait clairement, mais Kel'Thuzad, on revoit le côté stratégique, comploteur de Warcraft 3 avec le Mastermind, celui qui est à l'origine justement de toute la merde de Maldraxxus, puisque en fait il a été posé à Maldraxxus, c'est dans le plan du geôlier donc d'utiliser Kel'Thuzad à Maldraxxus, et Kel'Thuzad à Maldraxxus, eh bien il va monter deux maisons, la maison des assemblages et la maison des rituels dans lequel il est baron. Il va remonter ces deux-là, et pas en utilisant la magie, pas de charme ou quoi que ce soit, non, non, par ses mots, sa parole, ses idées, et eh bien, donc quelque chose vraiment d'insidieux, et eh bien il va réussir à monter la maison des rituels et des assemblages contre les autres maisons, et finalement lancer l'attaque de Bastion, que vous voyez dans le scénario de Bastion. Et ça c'est super intéressant, parce que le conflit Maldraxxus-Bastion, comme on l'a dit, alors bien sûr c'est aidé parce qu'il n'y a plus le Primus, Primus n'est plus là. À côté de ça, en dehors de l'absence du Primus, bah, il y a aussi cette disette d'anima liée à Denetrius et Revendreth. Mais du coup, Kel'Thuzad, eh bien, grâce à ces deux outils-là, ces deux problèmes, ces deux problématiques dans lesquelles Maldraxxus est plongé, eh bien, il va se dire, regardez,
à la base, donc je rappelle les deux margraves, donc margrave Sindarn de la maison des rituels et la maison des assemblages, j'ai oublié le nom du margrave, mais ces deux-là ne bossent pas pour le geôlier, c'est juste qu'en fait, bah, leur ADN, j'ai envie de dire, leur code a toujours été de défoncer la lutte à Malraxus, la lutte infinie où on va s'améliorer en s'opposant aux autres, et c'est dans l'adversité, dans la lutte, dans le conflit qu'on va réussir à s'élever. Donc en gros, avec l'absence du Primus, bah, ils essayent de continuer cette philosophie-là, sachant qu'aucun des deux margraves ne veut devenir Primus, hein, il n'y a pas d'ambition en mode on est très méchant, c'est vraiment juste, bah, voilà, nous notre code a toujours été de se foutre sur la gueule pour progresser et s'améliorer, eh bien continuons là-dessus en fait, continuons là-dedans, et c'est ce que Kel'Thuzad va alimenter évidemment comme débat. Et en plus de ça, bah, comme il n'y a plus d'anima, il faut qu'on aille en chercher quelque part pour alimenter les armées et tenir le rôle de défenseur bien sûr des Terres d'Ombre. Et du coup, bah, ils vont aller les chercher dans les autres congrégations. Sachant qu'il y a également Denatrius qui va, en tant qu'allié du geôlier, va également fournir une partie de son anima à Kel'Thuzad et qui va la donner aux autres barons. Donc ça, c'est assez intéressant, sachant qu'il a aussi un lien du coup avec Revendreth, Kel'Thuzad. Puisqu'il est... Donc en gros, Kel'Thuzad est responsable de deux intrigues, enfin d'une intrigue sur deux zones. Deux zones sur quatre, c'est quand même pas dégueu. Là, on reprend un peu le Kel'Thuzad, très intéressant. Et Kel'Thuzad, au final, eh bien, on lui a promis tout simplement l'un des médaillons des moissonneurs. Donc, vous savez, il y en a sept. Si vous avez vu mes vidéos sur Revendreth, vous savez de quoi je parle. Le médaillon du moissonneur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant avec un fragment du pouvoir de Denatrius, l'éternel dirigeant de Revendreth. Et du coup, eh bien, il a aussi cette relique-là qui va aussi renforcer ses pouvoirs. Et c'est pour ça que quand vous jouez en tant que Ventir, donc à Revendreth, vous allez traquer Kel'Thuzad. Et quand vous êtes tout simplement Necrolord à Malraxus, eh bien vous allez aussi traquer Kel'Thuzad petit à petit. Au début, on ne sait pas vraiment que c'est lui, et petit à petit, on apprendra que c'est lui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de retrouver un Kel'Thuzad doté d'un immense intellect et d'une immense puissance. Et on va du coup eh bien, pouvoir aller voir une vidéo concernant justement le traitement de Kel'Thuzad avec la cinématique de fin de la campagne de Malraxus et de Revendreth. A tout de suite. Interlopers, you will not escape your fate. We are not the ones you need to fear, Kel'Thuzad. Your cause is lost, usurper. Now you answer for your crimes against Malraxus. And against me. Foolish Margrave, your victory is a hollow one. The medallion is ours. Let us return to Revendreth. What? We cannot simply leave. Not while Kel'Thuzad yet lives. I will have vengeance for Silvermoon. His fate is not yours to decide. Come, Lich. The Banished One calls you to his side. Voilà pour la cinématique. Alors évidemment, comme elle est en anglais, je vais revenir un petit peu là-dessus. Il y a pas mal de choses à dire sur cette cinématique. Donc c'est un combat, je rappelle un petit peu le contexte. C'est la campagne, comme vous voyez, c'est la finale cutscene. Donc la cinématique finale de Malraxus, mais également de Revendreth, où on a Kel'Thuzad donc, qui va être en boss. Et on va affronter Kel'Thuzad auprès du coup du général Draven, ainsi que de Kel'Thas. Une figure que l'on connaît un petit peu, tout simplement, alors, qui est un Ventir, donc qui sert Revendreth, mais qui a un passé, qui a un passif, qui a un compte à régler avec Kel'Thuzad, on y reviendra après. Et du côté de Malraxus, vous voyez cette liche. Balmédar, qui est tout simplement donc un serviteur, donc je sais plus si c'est un sécuteur, mais enfin donc c'est un membre de la maison des rituels qui va libérer tout simplement sa margrave, donc Sindarn qu'on voit ici, qui est la margrave, donc la chef de la maison des rituels. Et Sindarn va justement faire de Balmédar, avec la défaite de Kel'Thuzad, son nouveau baron. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, eh bien, Balmédar arrive dans le dos de Kel'Thuzad pendant que Kel'Thuzad et pied est moins lié contre les héros, contre Draven, contre Kel'Thas, etc.
Je crois qu'il y a aussi Garona dans le fight, je sais plus. Enfin, il y a des agents de Maldraxxus. Et du coup, bah, il en profite pour libérer sa Margrave. Alors, je rappelle quand même que la Margrave, à la base, elle combattait sciemment. Enfin, Kel'Thuzad, elle avait réussi à la charmer par ses paroles. Il n'y a pas eu de charme magique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à la fin de la campagne, bah, Sindan va se rendre compte de certaines choses. Et du coup, là, Kel'Thuzad va véritablement utiliser sa magie pour bloquer, littéralement, hein, paralyser, glacer Sindan. Mais à la base, eh bien, on voit Sindan se balader tranquillement. Hein, donc, il y a eu une influence. Alors, c'est un peu la waifu de Kel'Thuzad, hein, du coup, évidemment. Mais Balmédar va libérer Sindan. Et oui, parce qu'il rappelle, nous sommes pas ceux que tu devrais craindre. Et oui, on voit du coup Alexandros Mogren, Dame Vache, et il y a bien Garona. Alors, il y a du coup un passif aussi avec certains des personnages. Alors, ce qui est dommage, c'est comme dès qu'il y a des cinématiques avec les joueurs, bah, pour intégrer le joueur à la cinématique baisse en qualité. Je parle pas juste parce que je n'aime pas la place du joueur, c'est que c'est vraiment fait comme ça. Comme il y a le joueur qui doit être calculé, bah, du coup, les personnages ont des déplacements beaucoup plus robotiques pour intégrer le personnage, qui n'était pas le cas avant, et c'est bien dommage parce que du coup ils font des animations parfois un peu étranges. Mais du coup il y a des persos qui ont des comptes à régler avec Kel'Thuzad, comme je le disais. On a évidemment Kel'Thas, mais j'y reviendrai après. Mais dans la campagne de Maldraxxus, on suit énormément Alexandros Mogren. L'histoire d'Alexandros Mogren, le premier porteur de porte-cendre, Ashbringer, cette épée incroyable, cette ouvre-bouteille formidable. Eh bien, Alexandros Mogren, n'oublions pas qu'il était devenu un chevalier de la mort à cause de Kel'Thuzad. C'est Kel'Thuzad qui avait fait de lui un chevalier de la mort, il l'avait tué et il l'avait fait passer du côté obscur. Donc, Darion Mogren avait dû damner son âme pour pouvoir libérer son père, Alexandros, et lui donner le repos éternel, qu'il a envoyé en Maldraxxus d'ailleurs. Sympa le repos. Mais du coup, Darion est devenu chevalier de la mort à cause de ça. Donc Kel'Thuzad est, on va dire, à l'origine du terrible destin, je dirais, des Mogren. Alors, Dame Vache, on pourrait dire qu'elle a pas forcément de... Ils se sont jamais véritablement affrontés directement, en plus, Dame Vache et Kel'Thuzad. Mais au final, faut pas oublier que Dame Vache, ça fait partie des Illidari. Hein, et d'ailleurs, elle respecte toujours autant Illidan, ça c'est, vous le voyez dans les interactions, donc c'est toujours cool. Dame Vache s'est battue avec les Illidari face au roi Lich, face à Ner'zhul, qui était l'un de ses lieutenants principaux, Kel'Thuzad. Donc même s'ils ne se sont pas rencontrés directement sur le champ de bataille, vu que Dame Vache était en Northrend, Kel'Thuzad, lui, eh ben, était resté en Lordaeron, il y a eu les deux camps que chacun représente se sont affrontés. Donc il y a un petit passif aussi. C'est pas énorme, mais il y a un petit passif. Et enfin, bien sûr, Kel'Thas. Pour le coup, Garona n'a pas de... Si, bah, Garona, si, on va dire, indirectement avec Kel'Thuzad, puisque Kel'Thuzad, en tant qu'humain, faisait partie du Kirin Tor, donc de Dalaran, et Garona, bah, représentait la Horde avec les orques, donc, même si Garona a quitté la Horde, et, bah, au final, Kel'Thuzad a quitté l'Alliance, il y a eu un moment où ils étaient un peu opposés, mais là, on est sur une hostilité très, très, très indirecte, contrairement à Dame Vache et Kel'Thuzad, où c'est déjà indirect, mais là, vraiment dans le terreau, on a... Ensuite, la dernière rivalité. Alors, Sindan se libère. Sindan se libère. On sent par contre. Alors, Sindan, on pourrait dire ouais, tu viens de nous dire que Kel'Thuzad est super puissant et il se fait Margrave par la waifu Lich. Margrave, c'est pas rien. Hein. Margrave, rappelons que dans le plan infini de ce qu'est les Terres d'Ombre, hein, qui regroupe des milliards de mondes, Margrave, c'est quand même très très haut dans la hiérarchie. Hein. Tout en haut, vous avez un éternel, hein, vous avez le Primus. Juste en dessous, vous avez les 5 doigts de la main du Primus, en gros. Hein. Et Sindan, bah, c'est censé être l'un des mages... Enfin, c'est même pas le mage le plus puissant d'Azeroth. Hein. Sindan, c'est l'un des mages les plus puissants des Terres d'Ombre. Hein. Donc, ça va, quoi. Donc, Kel'Thuzad, malgré le médaillon du moissonneur, ça ne suffit pas. La Margrave est beaucoup trop forte et il l'avait prise en traître pour pouvoir la glacer. Là, ça suffit pas. Et du coup, il va se faire avoir. On voit bien Garona. J'avais la réponse. On voit bien Garona. Et donc, à ce moment-là, your cause is not. Voilà. Donc, tu vas répondre de tes crimes contre Maldraxxus et contre moi, parce que maintenant, elle se rend compte de tout ce qu'a pu faire Kel'Thuzad. Alors, c'est vrai que ça lui enlève un petit peu ses fautes. Elle a aussi ses torts, hein, Sindan, on va pas se mentir. Mais ça lui enlève un petit peu ses fautes. Ça la lave un petit peu de ses fautes. Même si, bon, hein, il en faudra plus. Et de l'autre côté, on voit donc... On voit donc Kel'Thuzad qui dit... ta victoire est vide, tu ne te rends pas compte à quoi tu t'affrontes. Bon, ça, c'est phrase de méchant lambda. Là-dessus, il n'y a pas de...
n'y a pas trop de différence, mais l'intérêt, on y reviendra. Et du coup, il y a donc Kel'Thas, hein, les deux KT qui s'affrontent, hein, Kel'Thuzad et Kel'Thas. Kael qui va lancer, qui va invoquer, qui va incanter ses pouvoirs pour pouvoir justement prendre sa vengeance. Je le rappelle, Kel'Thuzad, la réincarnation de Kel'Thuzad provoquée par Arthas, a détruit Kel'Thalas, a détruit le puits de soleil, dans Warcraft 3 avait totalement détruit Kel'Thalas. Bon, finalement, hein, Burning Crusade, Redcon, tout ça, vidéo sur Burning Crusade, oh, c'est plus qu'une petite balafre, hein, ça va. Sur le papier, il n'y avait plus rien. Hein. C'est pas pour rien que les elfes de sang ont dû aller en Draenor, en Outre-Terre, hein, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Kel'Thalas, en fait. Donc, Kel'Thas, bien sûr, la personne qui veut abattre avant tout le monde, bah, c'est Arthas, mais c'est vrai que Kel'Thuzad, il est haut dans sa top list, dans sa priorité, on va dire. Donc, compréhensible qu'ils veulent lui casser la gueule. Et tu as le général Draven, donc le premier mec des forces militaires de Ravenreath, qui dit « t'es mignon toi, mais c'est pas ton job de juger comme ça là, les âmes, là. C'est un problème qui concerne Malraxus, donc tu les laisses gérer leurs affaires. Nous, on doit juste récupérer le médaillon du moissonneur. » D'ailleurs, ce médaillon-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est le médaillon de Rhenatal, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est le médaillon de Rhenatal ou de l'accusatrice. L'accusatrice qui veille directement sur Kel'Thas, qui supervise, on va dire, le passage en Ventir de Kel'Thas, avec, bien sûr, eh bien, Rhenatal, le prince de Ravenreath, qui veille un petit peu au grain aussi. Donc je ne sais plus si c'est le médaillon de... Il me semble que c'est le médaillon de Rhenatal, mais il est possible que ce soit celui de l'accusatrice. Mais je crois que c'est le médaillon de Rhenatal. Donc, on a justement Draven qui récupère le médaillon et qui dit « Le médaillon est à nous, maintenant on se rebarre à Ravenreath. » Moi, j'adore cette phrase en mode « We cannot simply leave. » Quoi ? Mais on peut pas simplement s'en aller ? Pas tant que Kel'Thuzad est en vie. Et je vais réclamer vengeance pour Silvermoon. Les elfes de sang, évidemment, hein, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent elfes de sang, c'est aussi qu'ils veulent se venger, hein, c'est dans partie de leur ADN, aux elfes de sang se vengent. Même les PNJ le disent quand vous cliquez dessus, hein, ils veulent se venger des torts qui leur ont été causés. Donc évidemment, bah, ils veulent se venger contre Kel'Thuzad. Mais on a le Kel'Thas de Warcraft 3 et pas le Kel'Thas de Burning Crusade complètement débile, puisqu'il va écouter sa hiérarchie. Voilà, ce n'est pas à toi de décider de son sort. Et au final, eh bien, à ce moment-là, arrivent les entreliges, donc de l'antre, un petit portail vers l'antre. Les entreliges, donc, ce sont tout simplement les Kyrianes de l'antre qui sont sous le contrôle d'Elia. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, l'arc justement de Maldraxxus Bastion, le début de l'arc de Kel'Thuzad a commencé sans qu'on le sache, parce que c'était pas Kel'Thuzad, mais par l'arrivée d'entreliges et Elia qui avait préparé et aidé à l'assaut de Maldraxxus avec la maison de l'assemblage et des rituels contre Bastion, eh bien la fin de l'arc de Kel'Thuzad se termine par des entreliges qui ramènent Kel'Thuzad dans l'antre aux côtés de son maître, le geôlier. Donc, comme on a débuté, on termine, et ça c'est vachement intéressant. Donc voilà pour... voilà, tu vois, vous voyez, vient Lich, le Banish One, donc le banni, a encore besoin de vous, appelle à ses côtés. Donc voilà, il a encore besoin de vous. Alors, ce que j'adore, c'est l'animation de Kel'Thuzad quand il se fait emporter. Mais bon, fallait une animation et ça fait un truc un peu bizarre. Mais du coup, on sait pas trop. Parce que ça se trouve, il va se faire torturer, hein, parce qu'il a échoué ou quoi que ce soit. Mais on verra en tout cas comment ça va se passer. Il est fort probable que Kel'Thuzad on le retrouve en raid. Ça m'étonnerait pas que le prochain raid soit un raid contre... Ça m'étonnerait pas que le prochain raid soit un raid contre Sylvanas avec justement, bah, par exemple Kel'Thuzad, puisque Kel'Thuzad et Sylvanas sur le papier ont été ensemble et ennemis également. Et ce serait pas étonnant de retrouver par exemple un raid où on va dans l'antre et le boss final soit Sylvanas ou un des boss finaux soit Sylvanas, et que dans le raid on tape Nathanos, on tape Kel'Thuzad, et Kel'Thuzad on apprendrait qu'en fait, bah, peut-être qu'il se retournerait aussi un petit peu contre le geôlier, hein, comme Sylvanas, sauf que lui, ce serait pour un autre but, ce serait de libérer Arthas. Moi, c'est vraiment ma théorie à ce niveau-là. Pourquoi je pense ça ? Eh bien, parce que le traitement de Kel'Thuzad est bien plus intéressant. Déjà, il n'est pas détruit comme on aurait pu l'avoir à Vanilla ou à Wotelka. Bien sûr, il restait le phylactère à chaque fois, mais on le voit détruit en mode « j'ai été méchant, je suis très très méchant, je veux conquérir le monde. Ah bah mince, tous mes plans, je les ai exposés, je les ai dit à l'oral, dommage !» Donc là, on a vraiment un traitement où il a été derrière la merde dans deux zones, ce qui est déjà un meilleur traitement que tout ce que WoW a pu lui offrir en 16 ans, en 15 ans plutôt. Donc vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il a encore un rôle à jouer dans Shadowlands, et clairement, bah, Kel'Thuzad, son rôle a toujours été auprès du roi Lich, des rois Lich, j'ai même envie de dire, donc
de Ner'zhul et d'Arthas. Donc est-ce qu'on en saura plus sur Arthas grâce à Kel'Thuzad, par l'intermédiaire de Kel'Thuzad? Ça pourrait être une des opportunités. Donc voilà, je suis extrêmement content. C'était le point que je voulais évoquer depuis un moment parce que j'attendais que ça sorte pour pouvoir le faire. Mais je suis extrêmement content parce que j'avais très très peur qu'il soit expédié comme à Wotelka ou à Vanilla. Ce n'est pas le cas. Kel'Thuzad a un traitement plus intéressant. Et si jamais Kel'Thuzad périt définitivement à Shadowlands, est-ce que ce serait un problème? Non, un personnage même important et un personnage qu'on aime, s'il meurt, c'est pas grave, tant qu'il a apporté au récit en fait, tant qu'il a eu une fin, j'ai envie de dire, satisfaisante pour le récit. Et au final, Kel'Thuzad, ça n'a jamais été le cas en fait, et on n'a surtout pas respecté le personnage. Donc là, même s'il doit mourir dans Shadowlands, eh bien, il aura déjà eu beaucoup plus de respect pour le personnage. Maintenant, je pense que dans son rôle, véritablement, c'est son lien avec les Rois Lich. Donc, bah, j'en attends pas mal dans les prochains patchs pour Shadowlands. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un petit peu, pas être trop long, même si bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions. Est-ce que vous êtes satisfait du traitement de Kel'Thuzad? Pas du tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? N'hésitez pas. Je vous rappelle que bah, du coup, pour mieux comprendre Kel'Thuzad, il y a la vidéo sur la guerre de l'araignée, la vidéo sur Warcraft 3. Et les vidéos bah, sur Bastion, Ravendress et tout pour mieux comprendre les Margraves. Je referai des vidéos là-dessus, ne vous en faites pas. En tout cas voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus et on se retrouve aussi dans l'antre. Les bisous. Et n'oubliez pas de liker bien sûr la vidéo, ainsi que la commenter, hein, ça participe à la visibilité de la chaîne, hein, donc n'hésitez pas, tout ça. Vous avez aussi le petit follow Twitter, le petit like hein, sur la page Facebook. Vous pouvez également suivre l'actu et les streams sur le site, évidemment, avec le planning de la semaine, la planning de stream de la semaine. Voilà, plein de bisous. À bientôt.